I want to talk to you about how to be blessed. Je vous parle de comment être béni. I want you to live a blessed life. Je veux que vous viviez une a vie deliberate bénie. Blessed life. Une vie délibérément bénie. And you will be blessed. Et vous serez béni. You'll be blessed as you discover how to be blessed. Vous serez béni en découvrant comment être béni. There are sockets in life. Il y a des prises dans la vie that you have to plug in. Et vous devez vous y brancher. And make sure you keep it plugged in. Et vous assurez que vous restez branché. Never remove your plug from the source that brings blessings and life into your life. Et ne vous débranchez jamais de la source qui apporte les bénédictions et la vie dans votre vie. You know our theme for the year says stay connected. Et donc notre thème l'année c'est rester connecté. You have to remain connected. Vous devez rester connecté. Especially when you want to serve God and you want to work for God, it's very important to remain connected. Et surtout quand vous voulez servir Dieu et travailler pour lui, c'est important de rester connecté. Never disconnect. Ne vous déconnectez jamais. Never try. N'essayez jamais. And discover something new for yourself. Pour découvrir quelque chose de nouveau par vous-même. Stay plugged in. Restez branché. Always be plugged in. Toujours branché. And be plugged into the right sockets. Mais soyez branché dans la bonne prise. Because you are plugged into the wrong socket. Parce que si vous êtes branché dans la mauvaise prise, it will be an unfortunate story. Il y aura une histoire malheureuse derrière. So I want to share with you how to be blessed. Je vais partager avec vous comment être béni. How many of you like to be blessed? Qui veut être béni? Are you blessed in your life? To be blessed in the ministry, dans le ministère. See blessings on your life all the time. Et voir partout sur votre vie la bénédiction en tout temps. You will be blessed. Vous serez béni. But you have to stay blessed. Mais vous devez rester béni. There are people sometimes that are blessed, and then somewhere along the line they lose it. Il y a des gens qui sont bénis, mais au long du fil ils perdent la bénédiction. But you will not lose your blessing. Mais vous ne perdrez pas votre bénédiction. The number one source of blessing. La source numéro un de bénédiction. This is the first socket you should be plugged into. Et c'est la première prise dans laquelle il faut se brancher. Genesis chapter 30. Genèse chapitre 30. Genesis 30. Genèse 30. Are you there? Vous y êtes? Verse 27. Verset 27. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, that is, stay, for I have learned by experience that the Lord has blessed me for thy sake. Et Laban lui dit, et puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. God has blessed me for thy sake. Dieu m'a béni à cause de toi. In other words, if he had not been for you, I wouldn't be blessed. En d'autres mots, sans toi, je n'aurais pas été béni. What I have is because of you. Ce que j'ai, c'est grâce à toi. It's like I am where I am and I am what I am by reason of associating with you. En d'autres mots, non, je suis là où je suis et qui je suis parce que je me suis associé à toi. Now, you will see that what he is showing us here is that il nous montre ici que things come into your life. Les choses viennent dans votre vie because of somebody. À cause de quelqu'un. Not because of you. Pas à cause de vous. Not because of you, but because pas of somebody. À cause de vous, mais à cause de quelqu'un. Because of somebody, good things can come into your life. À cause de quelqu'un, de bonnes choses peuvent venir dans votre vie. Now, when you start walking with certain people and moving with certain people, et quand vous commencez à marcher avec certaines personnes et avancer avec certaines personnes, you will discover immediately that something good is happening to you. Et vous découvrez immédiatement que quelque chose de bon vous arrive. Things are changing in your life. Et les choses changent dans votre vie. And things change very fast. Et les choses changent vite. You see, I remember one day. Je me souviens un jour. I was there. J'étais là. It was quite out of the blue. It was quite random. Et juste par hasard. And my younger brother sends me a message. Et mon jeune frère m'envoie un message. And the message said. Et le message disait, thank you.
Merci for leading us to Lighthouse. De nous avoir conduits à Lighthouse. I don't know what it meant. Je sais pas pourquoi il disait ça. I didn't even ask him anything about it. Et j'ai même pas posé quelque chose. I'm sure I must have responded with two letters, HM. Et je j'ai dû répondre avec deux lettres, HM. Which means Qui veut dire Translated, I don't know what you are thinking about, but okay, if you think so, Genre, si tu le dis. But you see, the truth that I understood what he was saying. Mais le fait que that, c'est vrai ce qu'il disait. That it all began in Lighthouse Chapel International. Tout a commencé à Lighthouse Chapel International. That just by the association. Que juste par l'association. Everything has changed. Tout a changé. Everything has changed. Tout a changé. Everything is different. Tout est différent. Everything is totally different. Tout est totalement différent. Things have changed. Les choses ont changé. You know, on this trip. Vous savez, sur ce voyage. The last time I cried, which I'm not proud of. La dernière fois que j'ai pleuré et j'en suis pas fier. Because I've been trying to cry. Parce que j'essayais de pleurer. It's like this is I've been hearing messages. It's like I have to pray for. Myself, so I can cry. Je me disais, il faut que je prie pour moi pour que je puisse pleurer. But the last time I cried was in 2000 and. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était en 2003. That was when I lost my sister. C'est là que j'ai perdu ma sœur. Yes. And I, the crying that I cried was when I saw the text. Et le pleur que j'ai eu, c'est quand j'ai reçu le message. Roberta has passed. Roberta est décédée. And then tears just ran down my face. Et les larmes ont commencé à couler sur mon visage. And then it ended. Et après, hoping more would come. Et j'espérais que plus de larmes couleraient. But you see, this trip as I was coming in. Mais sur ce voyage en venant. As we were about to land in Zurich Airport. Donc juste avant d'atterrir à l'aéroport de Zurich. Then my mind went on a journey. Donc mes pensées sont retournées vers un voyage. A journey of my life. Donc le voyage de ma vie. Where I'm coming from. D'où je viens. As in where I am actually coming from, literally to come here. Donc vraiment d'où je viens littéralement pour être ici. What I was doing there. Ce que je faisais là-bas. How the pastors there. Et comment les pasteurs là-bas. It's like they are so in awe of me. Ils sont tellement émerveillés par moi. Chasing me with offerings. Ils me pourchassaient avec des offrandes. Saying nice things. You see his wife. Il me disait des belles choses. Va aller voir sa femme. Telling the pastor. Et qui disait au pasteur. Because I don't understand the language. Moi, je ne comprends pas la langue. But he said to her. And then she came to stand by me. In other words, come and let's take a picture with him. Viens pour qu'on puisse prendre une photo avec lui. And he had taken so many pictures with me already. Il avait déjà pris tellement de photos avec moi. So he didn't want to take another picture. Mais il voulait pas prendre une autre photo. So he said to her. Dit, in other words, if you want, take with him. Donc en d'autres mots, si toi tu veux, prends une avec lui. And she stretched out her hand and dragged him. It's like, come and take a picture. Elle a pris sa main, elle a tiré lui. It's like, I want to take a picture with him. Je veux prendre une photo avec toi. And I was thinking. Et je me disais. I was thinking that this is not my life. Je dis, mais ça c'est pas ma vie. This is not how it's supposed to be. C'est pas comme ça que ça devrait être. I didn't even come here with my name. Je m'étais pas venu ici avec mon nom. I came here with Macarius 60. Non, je suis venu ici avec le Macario 60. I came here in the name of Dag Heward Mills. Et je suis venu ici au nom de Dag Heward Mills. And look at me. Et regardez-moi. Look at how people are in awe of who I am. Et comment les gens sont émerveillés de qui and je suis. And what I am. Et de ce que je suis. When I finish preaching. Et quand j'ai fini de prêcher. He will come and stand on the stage. Il venait se mettre sur l'estrade. And then my interpreter will be telling me. Et il me disait. That he's saying. Qu'il disait, you preach with so much strength. Tu as prêché avec tellement de force. You have so much energy. Tu as tellement d'énergie. You have so much passion. Et tellement de passion. And then he said, when I'm preaching, I rub my thighs. Donc quand je prêche, donc je frotte ma cuisse. He's sure it means something, so he wants to learn. He's going to learn it. Donc that when he preaches for a while, he'll rub his thighs. Donc lui aussi quand il va prêcher, il va se frotter la cuisse. And he said all these things. Et il disait toutes ces choses. All these things. Toutes ces choses. And I'm thinking. Et je me disais, mais qui suis-je? I am nobody except that I have plugged into a certain socket. Je ne suis personne, si ce n'est que je suis branché dans une certaine prise. So as I was coming down into the airport, alors, all these thoughts were ringing in my mind.
Toutes ces pensées tournaient dans ma tête. It would have been my second tears after 15 years. Et c'était mes deuxièmes pleurs en 15 ans. But the tears didn't come. Mais c'est pas venu. I'm still praying it will come one day soon. Et je prie que ça vienne avant la fin de cette semaine. But I realize it, when you take stock of yourself, of your life, commence à faire l'inventaire de sa vie. You will soon discover what God is doing in your life. On découvre très vite tout ce que Dieu a fait dans notre vie. And when you see it, et quand on voit, don't be puffed up. Ne soyez pas gonflé. Don't deny it. Et ne niez pas non plus cela. Because that is how God will bless you. Parce que c'est comme ça que Dieu va vous bénir. That is how God will change things in your life. C'est comme ça que Dieu va changer des choses dans votre vie. That is how God will lift you up. Et c'est comme ça que Dieu va vous élever. Look at ordinary man Laban. Regardez un homme ordinaire comme Laban. He is saying that I have learned by experience. J'ai appris par expérience. Take note of your experiences. Et prenez note de vos expériences. Take note of your experiences. Prenez note de vos expériences. You will discover that God is teaching you something from your experiences. Vous allez voir que Dieu vous enseigne des choses à travers vos expériences. Take note of things that didn't work. Et prenez note des choses qui n'ont pas marché. And then take note of those things that are working. Et prenez note des choses qui marchent. You will see from the things that are working that God is guiding you. Et vous verrez par les choses qui marchent que Dieu vous guide. Look, God guides. Dieu guide. He's a top guide. C'est un top guide. He will guide you. Il vous guidera. If you trust in God, si vous avez confiance en Dieu, you will not be discouraged over any experience. Vous ne serez découragé par aucune expérience. You will not be depressed over anything you go through. Et vous ne serez déprimé par aucune mauvaise chose que vous traversez. If you trust in God, si vous avez confiance en Dieu, if you really trust in God, si vous avez vraiment confiance en Dieu, because soon you will discover, parce que très vite on découvre, that oh God. Oh Dieu. So this is what you wanted to do. Voilà ce que tu voulais faire. This is where you were leading me to. Et voilà où tu voulais me conduire. This is where you were guiding me to. Et voilà où tu voulais me guider. You had a far better plan. Et tu avais un plan bien, bien meilleur. Do you know the word of God? Et la parole de Dieu, est-ce que vous la connaissez? The word of God says that our la parole de Dieu dit nos vies. The plans that he has for us. Donc les plans qu'il a pour nous. The plans that he has for us. Les plans qu'il a pour perhaps nous. Compared to our plans. Peut-être même comparé à nos plans. And our ideas. Et nos idées. As far, God's plans are far superior. Far. Les plans de Dieu sont bien supérieurs. As far as the east is from the west. Aussi loin que l'est de l'ouest. That is how God's plans and imaginations point, donc, les plans de Dieu, and purposes for Dieu, us. Et les buts de Dieu pour nous sont. You see, when you stand in the east, you can't see the west. Quand on se tient à l'est, on voit pas l'ouest. You only know that it's here. On sait juste que c'est là-bas. It's in this direction. Oui, c'est dans cette direction. But you can't see it. Mais on le voit pas. You can't predict it. On peut pas le prédire. The only thing you can do is to follow him one day at a time. On ne peut que suivre Dieu one un jour day à la at fois. A time. Un jour à one la day fois. At a time. Un jour à la one fois. Day at a time. Un jour à la fois. And the people that you meet along the way. Et les gens que vous rencontrez sur le the chemin. The people that you meet. Les gens que vous rencontrez. One thing I can tell you. Une chose que je peux vous dire. Is that not all of the people will be the same. C'est que toutes les personnes ne seront pas pareilles. Just as when you look up. Tout comme quand on regarde en haut. There's only one sun and one moon that your eyes can see. Il y a juste un soleil et une lune qu'on peut voir. There are very few great people that you meet. Il y a très peu de très grandes personnes que vous rencontrez. So when you have one, et donc quand vous en avez when un, you experience one, et que vous en expérimentez un, there's nothing like I'm moving on. Il n'y a rien de non, je m'en vais. There's nothing like I'm leaving him after oh, a while. Je le quitte après un temps. Look at Laban saying, Stay. Because he doesn't know where he will see another Jacob. Parce qu'il ne sait pas quand il va voir un autre Jacob. When would another Jacob come into your life? Et quand est-ce qu'un autre Jacob va venir dans ma vie? When you lift your head up, how many moons do you see? Et quand vous levez la tête, et combien de lunes est-ce que vous voyez? How many suns are there? Où de soleils sont là-bas? There are lights. Il y a des lumières. Lesser lights and greater lights. Il y a des plus grandes lumières et des petites lumières. Very few lights are great. Mais très peu de lumières sont grandes. Very few lights are great. Très peu de lumières sont grandes. Very few lights are très great. Peu de lumières sont grandes. Very few people that come into your life are sent by God
to have such a great effect on your life. Et très peu de gens qui viennent dans votre vie sont envoyés par Dieu pour avoir un si grand impact and a permanent dans votre effect. Vie. Et d'une façon permanente dans votre yeah. vie. Very few people. Très peu de personnes. Very few people. Très peu de personnes. The effect that bishop will have on you. Et l'effet que l'évêque va avoir sur vous. I can tell you that in your lifetime. Je peux vous dire que dans votre vie. You will not even meet half a person. Vous ne rencontrerez pas même la moitié d'une telle person, personne. Have such an effect. You won't. Et vous n'aurez pas you won't come across un tel effet. Non, vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes. So when you see such a person, et donc quand vous voyez une telle personne, it's called a blessing. On l'appelle cela une it's bénédiction. Called a blessing. On it's called a blessing that comes to you by association. Et qui vient vers vous par association. It's called a person that has come to bless your life. C'est une bénédiction qui vient pour bénir votre vie. To bless you. Et pour vous bénir, you'll be blessed. Vous serez bénis. You'll be blessed. Vous serez bénis. Is it many people meet people who would have been a great blessing to them? Et beaucoup de gens rencontrent des gens qui auraient pu être des grandes bénédictions pour eux. But they don't think like Laban thinks. Mais ils ne pensent pas comme Laban pensait. They feel maybe it's another person. Et ils pensent non, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Maybe it's just another human being. Ou c'est juste un autre être humain. Maybe it's just another human being. Ou c'est juste un autre être humain. You see, I don't care what people think about me. Mais moi, je me fiche de ce que les gens pensent de moi. When I start talking about my pastor. Et quand je commence à parler de mon pasteur. Because. Parce que. If you have any other understanding than I have. Si tu as une autre compréhension que moi. I actually think you are mentally retarded. Je pense que tu es retardé mentalement. I actually think a chip is missing. Je pense qu'il te manque quelques neurones. Because I know what I'm talking about. Parce que je sais de quoi je parle. I know what I'm saying. Je sais ce que je dis. I know what the scripture means in Jeremiah chapter 3 and verse 15. Et c'est ce que les écritures disent dans Jérémie 3:15. When it says that I will give you pastors according to my heart. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. A pastor is from God. Un pasteur vient de Dieu. Those of us whose mind can't go very far. A pastor is from God. Un pasteur vient de Dieu. Those of us who think that why do they worship him? Do they worship him? Ah mais pourquoi est-ce qu'il adore ce gars? I met some girls the other day. Et j'ai rencontré des filles l'autre jour. Who were born again and saved. Et qui étaient nées de nouveau sauvées. They still have the boxer shorts of their old boyfriends in their drawers at home. Elles ont toujours les boxers de leur ancien petit ami avant qu'elles soient sauvées. They have the boxers. Elles ont toujours les boxers. Of their old boyfriend. Des anciens petits amis. One of them was even married. Il y en a même une qui est mariée aujourd'hui. So I was asking, what do you do with it? Je disais, mais tu fais quoi avec ça? And she said, oh well, nothing. Elle dit, oh rien. But it's for memory's sake. Mais c'est juste pour les souvenirs. I'm sure when she sees it, just reminds her of some crazy days. It's like some crazy times revoit, that I had. Elle se souvient des jours faux qu'elle a vécu avec lui. You have the boxes. You have some boxes of some man. Mais tu as des boxers d'un homme. And then when I am saying that God has given me a pastor. Moi, I celebrate him, speak pasteur, well of him, admire him. You are coming to question that, do I worship him? Et vous venez me dire, est-ce que tu l'adores et tu l'idolâtres? Are you an idol worshiper with those boxers over there? Et toi, est-ce que tu n'adores pas et ces boxers que tu gardes? Of you will say you don't have the boxes, but in your mind, mais dans ta tête, in your mind, you remember those sweet experiences, sweet experiences, douces expériences que tu as eues. Mental boxes. Des boxers mentaux que tu as dans la tête. You remember the experience of I can't even say it. Et tu te souviens de l'expérience de je peux même pas dire. You have things in your head. Tu as des choses dans la tête. Here the Bible is saying. I will give you pastors. Je te donnerai I will give you pastors. Des pasteurs. I will give you, in other words, I will put you in close proximity to pastors with a pastor. À proximité d'un pasteur. So that you will be blessed. Pour que tu sois béni. And you are saying we shouldn't say anything about it. We il shouldn't talk about it. Il faut pas en parler. We shouldn't celebrate it. Il faut pas célébrer ça. We shouldn't say this is one of the greatest things. On ne devrait pas dire que c'est l'une des personnes les plus grandes. Elle est... Keep it forever.
Une des plus grandes qu'on a jamais rencontrées. Speak the truth and shame the devil. Dis seulement la vérité et faites honte au diable. Has your pastor not been a greater blessing than your father? Est-ce que votre pasteur n'est pas une plus grande bénédiction pour vous que votre speak père? Speak the truth and shame the devil. Alors dites la vérité et faites honte au diable. I said, speak. You have changed my volume. Speak the truth and shame the devil. Dites la vérité et faites honte au diable. Has he not been a greater blessing than your mother? Est-ce que votre pasteur n'est pas une plus grande bénédiction que votre mère? So why would you behave as though? Vous êtes vraiment en idolâtre l'évêque. You should be very, very careful. These things you should be. No. I'm not going to be careful at all. Non, je vais pas faire attention. If Laban says that, stay. Si Laban a dit reste. Was Laban worshiping Jacob? Est-ce que Laban idolâtrait Jacob? He said, I have learned from experience. Non, your existence j'ai appris par expérience. Your existence in this house. Ton existence dans ma maison. Has brought a blessing. A apporté une bénédiction. Has brought a blessing. A apporté une bénédiction. Has brought a blessing. A apporté une bénédiction. There is a blessing by association. Il y a une bénédiction qui vient par association. When you stay close. Et quand vous restez proche. I'm just thinking of myself flying around the world. Et je voyage et je vole partout dans le monde. It's such a great blessing. Et c'est une telle grande bénédiction. Such a great honor. Un tel grand honneur. Such a great honor. Un tel grand honneur. I have been honored by association. J'ai été honoré par association. When I get there and there's a name that has gone ahead of me. Et quand j'y arrive, il y a un nom qui est déjà allé au devant de moi. Who knows Richard Ayi? Parce que qui connaît Richard Ayi? Who knows that name? Qui connaît ce nom? But association with another name. Mais par association à un autre nom. Has brought great things. Ça a apporté de grandes choses. And I have been blessed. Et j'ai été béni. And I have been blessed. Et j'ai été béni. And I have been blessed. Et j'ai été and béni. I am walking in a blessing. Et je marche dans ma bénédiction. You also walk in a blessing. Vous marchez aussi dans la bénédiction. Number two. Numéro deux. That's the only way I can get you to go and sit down. I have to say number two. So as you're in a hurry to, là vous êtes pressé de, to do different things in your life, de faire différentes choses dans votre vie, you have to really understand, vous devez vraiment comprendre, that God is ordering your steps, que Dieu ordonne vos pas, God is guiding you, Dieu vous guide, God is guiding you, Dieu vous guide, any thoughts that come trying to separate you, toute pensée qui vient pour essayer de vous séparer. From people that are supposed to be a blessing to you. Des gens qui ont été envoyés pour une bénédiction pour vous. You have to know that it's a satanic thought. Vous devez savoir que c'est une pensée satanique. It's a real satanic thought. C'est une vraie pensée satanique. Satanic ideas. Des idées sataniques. The devil is trying to drive you away. Et le diable essaie de vous faire fuir. You will be blessed. Vous serez béni through association. Par association. Through association. Par association. God will choose a great person. Dieu va choisir une grande personne. And tell you that go close to this person. Et va vous dire rapprochez-vous de cette personne. Go close to this person. Rapprochez-vous de cette personne. I will give you everything. Et je te donnerai tout. I'll give you a job. Je te donnerai un travail. I'll give you a home. Une maison. I'll give you money. De l'argent. I'll give you a car. Une voiture. I'll give you a house. Une maison. I'll give you blessed opportunities. Et des opportunités bénies. All through one person. Tout cela à travers une personne. One. Une. One. Une. One. Une. One. Une. I said one. J'ai dit une. Just one person. Not two or three. Juste une personne. Pas deux, pas trois. Just the one. Juste la seule personne. Try separating yourself and see what your life will be like. Essayez de vous séparer et voyez ce que va devenir votre vie. Try something else and you see that your life is totally different. Essayez autre chose et voyez que votre vie sera totalement différente. Number two. Numéro deux. You'll be blessed. Vous serez béni. Hey, what is that? C'est quoi tout ça? You'll be blessed by understanding seasons. Vous serez béni en comprenant les saisons. Understand seasons. Comprenez les saisons. Isn't some of you seated here? Même des gens assis ici. Just even the chance. Juste avoir la chance. To support evangelism. De soutenir l'évangélisation.
to support Healing Jesus campaign. De soutenir les campagnes Jésus qui guérit. Just that chance. Juste cette chance. Can take you high up. Peut vous amener très haut. You see, but you have to see that God is giving me a chance. Mais vous devez voir que Dieu me donne une chance. You have to tell yourself, perhaps God is trying to do something with me. Et vous devez vous dire peut-être que Dieu fait quelque chose pour moi là. And I don't know how old you are. Et je sais pas quel âge vous avez. But most opportunities. Mais la plupart des opportunités are like doors. Sont comme des portes. They just open for a while. Ça s'ouvre pendant un temps. And then they shut. Et après elle se referme. Just opens for a little while, then it shuts. Elle s'ouvre pendant un temps et elle se referme. The people who don't have that understanding. Et des gens qui n'ont pas cette compréhension. Usually think that things are forever. Ils pensent que c'est pour toujours. Things are permanent. C'est permanent. So what do you discover? What do you discover about people like that is that they don't serve God. Ils ne servent pas Dieu. Or work for God. Ils ne travaillent pas pour Dieu. With all their mind. Avec toute leur force. With all their heart. Avec tout leur cœur. With all their soul. Avec toute leur with âme. With all their strength. Avec toute leur force. When they get a chance, they don't give it everything. Et quand ils ont une chance, ils ne donnent pas tout à cette chance. Because they feel it's going to be for a long time. Parce qu'ils pensent que ça va être pendant longtemps. So let me spread myself. Donc c'est bon, je vais m'épargner un peu. Let me take my time. Je prends mon temps. Let me take my time. Je prends mon temps. I was telling somebody this morning. Il dit à quelqu'un ce matin. I said, I'm sure I can run 100 meters. Je sais que moi je peux encore courir 100 mètres. How many of you know that I can run 100 meters? I mean, I'll finish. Je peux courir 100 mètres. I won't die on the way. I'll finish it. Je vais pas mourir en le faisant. Je vais le finir. Just that, don't put me next to Usain Bolt. Mais juste que me mettez pas à côté du Usain Bolt. No. I will finish. Oui, je vais finir. I will finish. Oui, je le finirai. He will come and say that I have to do it in less than 10 seconds. Lui va dire non, je vais le faire en moins de 10 secondes. I will be saying that look, mais I have moi, to je finish. Dis, écoutez, je vais finir. I have to finish. Je dois finir. Maybe I'll finish in 25.2. Mais peut-être qu'il me faut 25 à 2 heures. But I will finish. Mais je finirai. So you see, this person I was talking to à qui je parlais, was behaving like me running 100 meters in the ministry. Il se comportait comme moi et qui courait 100 mètres par rapport à son ministère. Something that he's supposed to do with all his might, energy, strength, to finish. Une chose qu'il doit faire avec toute sa force et toute sa puissance pour finir. He's preaching a new gospel to me. Il me prêchait un nouvel évangile. But you know, we'll get there. Il dit, oh, on y arrivera. It will finish. Oh, ça finira. Oh, I'm doing it. Oh, je le fais. Oh, I'm on it. Oh, je suis là. Oh, it will be done. Oh, ce sera fait. Oh, you see, we've been praying. Oh, oui, on prie. You see, we've been praying. On prie. We've been after prayer, we're going to do evangelism. Et après la prière, on commencera à faire l'évangélisation. And I'm saying that that's not how you do ministry. Et moi je disais, mais c'est pas comme ça qu'on évangélise, on fait le ministère. Ministry, if you are doing it, you have si to be on fait le ministère, you have to be an expert juggler. On doit être un jongleur expert. That is, you must have about 7 balls in the air at the same time. On doit avoir 7 ballons en l'air en même temps. We can't even tell when you catch one and you pull it. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on rattrape une et on relance pour prendre l'autre. You don't do ministry with one ball in your hand. On ne fait pas juste le ministère avec juste une balle. I am praying. Oui, je prie. I am well. Prayer is a red ball, so I'm tossing the red ball. Ah, c'est la balle rouge, la prayer. Donc je joue when avec I finish, rouge. I put it on the side. Et and quand je finis, je la mets de côté. Then I take the blue ball. Et je prends la balle bleue. Evangelism. Évangélisation. When I finish, I take a yellow ball. Et quand je finis, donc visitation. Je prends donc le ballon jaune, les visites. You will be left behind. Il dit, tu seras laissé derrière. You'll be left behind. Tu seras laissé derrière. You'll be left out. Tu seras laissé de côté. People have 7 balls in the air. Parce que les gens, eux, ils jouent avec 7 ballons, 7 balles. They are juggling to excellence. Avec excellence. You are taking your time. Mais toi, tu prends ton temps. You are behaving like me running 100 meters. Et te comportes comme moi qui cours 100 mètres. By all means, I'll finish. Bien sûr, je finirai. Do you think I'll die on the way? Et pour ça, je vais mourir. I also don't think I'll die. Non, je ne pense pas non plus que je vais mourir. I'll finish. Je finirai. Just I'll finish in 25.2 seconds. Mais je finirai avec 25,2 secondes. At some point, I'll even walk. Non, je vais marcher. Ah, why should I run when I can walk? Et pourquoi et courir quand je peux marcher? Ah. What? C'est quoi ça? Ah. Is it my profession? Est-ce ma profession? Ah. Who is paying me to do this? Qui me paye pour faire ça? Ah.
What's the point? This I'll be talking after 60 meters. I say, what's the point? Et après 16 mètres, oh. Ça sert à quoi tout ça, de toute façon? They can come and pass. Ils peuvent me passer, ils peuvent me dépasser, c'est pas grave. I'll finish. Je finirai bien. They have records on mine. I don't have eux, no record. Ils veulent battre les records. Moi, je veux juste finir. Oh, okay, you can come and pass. Allez, dépassez-moi si vous voulez. I'll say at least I did under 30 seconds. Et je pourrais dire au moins j'ai réussi en moins de 30 secondes. When you think you have forever. Quand vous pensez que vous avez you don't respect seasons. Vous ne respectez pas les saisons. And you miss a lot of chances. Et vous manquez beaucoup de chances. You miss the chance to do well. Vous manquez beaucoup de chances de bien faire, de réussir. Nothing is like that forever. Rien ne reste comme ça pour toujours. Nothing is like that forever. Rien ne reste comme ça pour toujours. Sometimes even interest that somebody has in you. Même des fois, juste l'intérêt que quelqu'un a en vous. It's for a season. C'est pour une saison. It's for a time. C'est pour un temps. You even have to know that even that interest that the person has is God given. It's God who has put it in his heart. That be interested in this person. La personne a pour vous. C'est Dieu qui a mis dans son cœur qu'il soit intéressé par vous. Nobody has interest in you. You feel you are the coolest person on the block. Quelqu'un est intéressé par vous. Pensez que c'est la personne la plus cool au monde. Non. One day I was talking to a certain sister. Un jour je parlais à une certaine sœur. Who? My dear friend had backslidden. Qui avait rétrogradé. And every time I'll call her. Et je l'appelais à chaque fois. I'll say, come, I've just got to the office, come. Viens au bureau, viens. Then she'll say, okay, I'm coming. Elle me dit, oui, j'arrive. Then she'll come 3 hours later. Mais elle arrivait 3 heures plus tard. And I'll be talking to her patiently, encouraging her. Et je lui parlais patiemment, je l'encourageais. Then one day, I called, come. Un jour, je l'appelais en disant, viens. All I wanted to do is she should just come out and be in the service. Et je voulais juste qu'elle vienne. Et qu'elle soit occulte. One day when I called, she said she will see if she can come. Un jour, je l'appelle, m'a dit, je vais voir si je viens. I said no problem. J'ai dit pas de problème. No problem. Pas de problème. No problem. Pas de problème. See when you can come, come. Okay, bah si tu veux venir, viens. Then she came. Et elle est venue. I said. Et j'ai dit. I want to tell you something. J'aimerais te dire quelque chose. I said. I want to tell you something. Je veux te dire quelque chose. Be it known unto you. Sache que that my interest in you. Mon intérêt en toi. I said, look, I'm a spiritual person. Je suis une personne spirituelle. If I didn't have spiritual reasons. Et si je n'avais pas des raisons spirituelles. I will not even remember that you exist. Je ne me souviendrais même pas que tu existes. Be it known unto you. Sache-le. Whoever put that interest in my heart. Donc celui qui a mis cet intérêt dans mon cœur, if it's taken out, si il l'enlève, that's the word, that's it, it will be over. C'est fini. It will be over. C'est fini. Don't think I'll chase you like a rat for the on rest ne of your life. Pense pas que je te pourchasserai comme un rat pendant toute ta vie. Don't imagine. Oh, this bishop really likes me. Et ne pense pas que tu es spécial. He's always calling for me. Il m'appelle tout le temps. As if that thing is taken out like that. Si cet intérêt-là est ôté de mon cœur, out like that, it's over. C'est fini. You see the encouragement. Les encouragements. The encouragement. Be a Ben MP. Non, soyez un Ben MP. Be a Ben MP. Soyez be a preacher. Ben MP. Ben MP. Ben MP. PM. PM Ben. PM NEB. Like that Ben MP. You think it will be forever? Pensez que ce sera pour toujours quand vous dira ça. You think to be forever? Pensez que ce sera pour toujours? And you think God actually? You think God actually needs you, Linda, your euros? A besoin de toi, de tes euros? You actually think so that God needs your euros? Que Dieu a besoin de tes euros? No. 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 You've made a mistake. Vous faites une erreur. God has actually thought. Dieu a pensé. This is a good time. C'est un bon moment. This is a good time. C'est un bon moment. To bless this person. Pour bénir cette personne. This is a good time to bless this person. C'est un bon moment pour bénir cette personne. Let me arrange for this person to be around. Alors je vais arranger pour cette personne. Let me give this person this chance. Et je vais lui donner cet accès. I don't know how old you are, but I am very sure that a day will come you'll not hear of Ben MP. Et je suis sûr qu'un jour viendra. Oh, I'm very sure. On ne peut plus parler de Ben MP. Nobody will even ask you for even 1 cent.
Et personne ne vous donnera même pas un centime. And you will see the ministry cruising on another level. Et vous verrez le ministère qui be, est en train de naviguer sur un autre niveau. It will be cruising. Et sera en train de naviguer. That is when you will discover that you would ask. Et c'est là que vous allez. Is there anything we can do? Est-ce que je peux faire quelque chose? Is there anything we can do? Est-ce quelque chose que je peux faire? Is there anything we can do to help? Quelque chose que je peux faire? We would like to help with something. J'aimerais aider avec quelque chose. Oh, there's nothing at all to do. On dirait non, il y a rien à faire. Isn't there anything to do? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Respect seasons. Respectez les saisons. Respect seasons. Respectez les saisons. Actually respect seasons. Je respecte les saisons. And know that this is a season for a reason. Et je sais que c'est une saison pour une raison. God is just giving you a chance. C'est juste une chance qu'on vous donne. Just give you some small chance. C'est juste une petite chance qu'on vous donne. Small chance to drop a blessing into your life. Une petite chance pour recevoir une bénédiction dans votre vie. Psalm 1. Psalm 1. Don't think you I mean, every day it's going to be Ben MP. MP Ben. Pas comme si dans tous les jours on vous dira Ben MP, PNB. Non. Non. Then maybe you are young. Then maybe you are like 12 years old. Sinon, c'est que vous êtes jeune, vous avez peut-être 12 ans. Maybe you are like 12 years old. Parce que vous avez 12 ans. That's why you think that it's going to be like et c'est pour that ça que vous pensez forever que ça va être and comme ever ça and ever. Pour toujours. And perhaps that's why you even say to yourself that I won't give today, I'll non, give je another vais pas time. Donner aujourd'hui, je donnerai demain. Because you think every parce que vous pensez que every time the need will be there. Et qu'il y aura toujours ce besoin-là. Do you know that? Est-ce que vous savez that? The opportunity to be a partner. L'opportunité d'être un partenaire. It's not because the ministry is in difficulty. C'est pas parce que le ministère est en difficulté. It's because the ministry is blessed. C'est parce que le ministère est béni. That is why you have something to do. C'est pour ça que vous avez quelque chose à faire. That is why you have something to do. Vous avez quelque chose à faire. You have something to do because you are part of a blessed ministry. À faire parce que vous faites partie d'un ministère qui est béni. I'll show you. Et je vais vous le montrer. There are countries. Il y a des pays. When you live there. Quand vous y vivez, you can have all the qualifications you can imagine. Vous pouvez avoir toutes les qualifications que vous pouvez imaginer. But you have no job. Mais vous ne trouvez pas de boulot. There's no job there. Il y a pas de boulot not là-bas. Not because you are not educated. Pas parce que vous n'êtes pas éduqué. Not because you are not intelligent. Et pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Not because you haven't passed exams. Et pas parce que vous n'avez pas passé les examens. But because the blessing of employment doesn't exist. Mais parce que la bénédiction de l'emploi n'y existe pas. The blessing of having a job doesn't exist. La bénédiction d'avoir un emploi n'existe it's just, pas. It's just not there. C'est juste pas là. You can do your first degree, do your master's, do your PhD. On peut faire le diplôme, les masters, le doctorat. That thing called employment. Cette chose qu'on appelle emploi. It doesn't exist. Ça n'existe pas. There's no job. Il y a pas de boulot. I went to a certain country. Je suis allé dans un certain pays. That begins with a C. Qui commence avec un C. Everybody I met. Et tous ceux que je rencontrais. Had a degree in law. Ils avaient tous un diplôme d'avocat. And they don't have a job. Mais pas de boulot. Everybody, unless they were lying. À moi qu'ils me mentent. Everybody, including at the airport, I met somebody at the airport. Même said, à l'aéroport, je rencontrais quelqu'un qui avait un diplôme. What's your background? Il dit, et c'est quoi ton éducation? What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? What have you studied? Qu'est-ce que tu as étudié? He said to me, I studied law. Il m'a dit, ah, j'étudie la loi. And he was carrying bags. Et il avait des sacs. The thing of having a job. De la bénédiction d'avoir un emploi. That is having something to do. Avoir quelque chose à faire. It's a blessing. C'est une bénédiction. It's not a problem. C'est pas un problème. It's a blessing. C'est une bénédiction. For us to stand here in front of you. Pour qu'on puisse nous tenir là devant and vous. And say, be a partner. Et qu'on puisse vous dire, soyez partenaire. It's a result of a blessed ministry. C'est le résultat d'un ministère béni. Not a struggling ministry. Pas un ministère qui lutte. Not a ministry in need. Pas un ministère qui est dans le besoin. It's a result of a blessed ministry. C'est le résultat d'un ministère qui est béni. You see, these same people who may not have a job in a particular country. Et ces gens-là, ils n'ont pas de boulot dans ce pays-là où ils étaient. Will travel somewhere else. S'ils vont ailleurs. And the blessing of employment exists. Et la bénédiction de l'emploi existera. When they get there, they can get a job. Et dès qu'ils arrivent là-bas, ils trouvent un boulot. They will earn a salary. Ils ont un salaire. They will have something to do. Ils auront quelque chose à faire. My point is that. Mon point est que.
It's a blessing to have something to do. C'est une bénédiction d'avoir quelque chose à faire. It's a blessing to be asked to do something. C'est une bénédiction qu'on vous demande de faire quelque chose. If you are asked to do something, si on vous demande de faire quelque chose, count it as one of your blessings. Et comptez cela comme une de vos bénédictions. And remember the principle of seasons. Et souvenez-vous du principe des saisons. It's not going to be like that forever. Ce ne sera pas toujours comme ça. It's not going to be that way forever. Ce ne sera pas comme ça pour toujours. You are not going to be forever gay receiving requests. Et vous n'allez pas pour toujours recevoir des requêtes. Now where is your BNP contribution? Où est ta contribution pour le BNP? Oh please, oh, please. S'il vous plaît. Unless you are 10 years old. À moins que vous n'ayez 10 ans. Unless you are just born. À moins que vous veniez juste de naître. What you see today, ce que vous voyez aujourd'hui. What you're experiencing today, ce que vous expérimentez aujourd'hui. Let it enter your heart. Que cela entre dans votre cœur. It is the result of a blessing. C'est le résultat d'une bénédiction. It's the result of a blessing. C'est le résultat d'une bénédiction. Nobody is walking here asking you to be a partner because he's impoverished. Et personne ne vous demande d'être partenaire parce qu'on est appauvri. Or because it's in difficulty. Ou parce qu'on est en difficulté. Or because without 10 euros, nothing can be done. Ou parce que sans vos 10 euros, rien ne pourrait être fait. It's a chance. Non, c'est une chance. It's a chance. C'est une chance. For God to remember that offering. Pour que Dieu se souvienne de votre offrande. For God to remember that. For you, it is a sacrifice. Et de votre sacrifice. For God to remember the sacrifice you made. Et que Dieu se souvienne du sacrifice que vous avez fait. That you may be blessed. Pour que vous soyez béni. Blessed is the man. Heureux l'homme, béni l'homme. That walketh not in the counsel of the ungodly. Qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Nor standeth in the way of sinners. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nor sitteth in the seat of the scornful. Et qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs. But his delight. Mais qui trouve son plaisir. Is in the law of the Lord. Dans la loi de l'Éternel. And in his law does he meditate day and night. Et il la médite jour et nuit. And he shall be. Il est comme. He shall be. Il est. He shall be. Il est. He shall be. Il est. The blessed man shall be. L'homme béni sera. The blessed man shall be. L'homme béni est. Like a tree planted by the rivers of water. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. That bringeth forth his fruit in his season. Qui donne son fruit en sa saison. There's a season for you. Il y a une saison pour There's vous. A time for you. Il y a un temps pour There's vous. A time that God will lift you up. Il y a un temps où Dieu va vous There's élever. A time that God will promote you. Où il y a un temps où Dieu va vous promouvoir. God has a special agenda for you. Dieu a un agenda spécial pour vous. That's why he keeps giving you the opportunity. Et donc continue à vous donner une opportunité et une chance. To be faithful in different seasons. D'être fidèle à différentes saisons. Beautiful. Magnifique. Beautiful. Give the Lord a shout. Poussez un cri à l'Éternel. Wow. 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 Welcome, Bishop. Can't you give another round of welcome, shout, and excitement? Beautiful. So when you understand the seasons, et donc quand vous comprenez les saisons, you know that God has something special for you. Vous saurez que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. For a time. Pour un temps. For a time. Pour un temps. For a time. Pour un temps. What you experience today is for your sake. Et ce que vous expérimentez aujourd'hui, c'est pour votre bien. It's so that God can find a seed and a reason to bless you. Et c'est pour que Dieu trouve une raison et une semence pour vous bénir. It is never. Ce n'est jamais. You see, when you are dealing with God, quand on a affaire à Dieu, never think, and I mean ne pensez never, jamais, je dis bien jamais, never think or imagine, ne pensez jamais et n'imaginez jamais that God is in need of you. Que Dieu a besoin de vous. He just wants a chance to bless you. Il veut juste une chance de vous bénir. He wants a chance to lift Il you veut up. Une chance de vous élever. Remember the word never. Et souvenez-vous de ce mot jamais. Don't even let it occur to you. N'y pensez même pas du tout.
that God really needs me. Que Dieu a besoin de moi. Rather, mais plutôt, think season. Pensez saison. It's a season. C'est une saison. It's a time. C'est un temps. It's just a period. C'est juste une période. It's just a phase. C'est juste une phase. That God is trying to, is trying to give you a chance to sow some seeds. Que Dieu essaie et me donne une chance de semer une semence. So that He will bless you. Pour qu'il me bénisse. God is going to bless you. Dieu va vous bénir. God is going to lift you up. Dieu va vous élever. God is going to help you. Dieu va vous aider. God is going to promote you. Dieu va vous promouvoir. God is going to do something good Dieu in your life. Dieu va vous fondre dans votre vie. God is going to lift you high up. Dieu va vous élever. Wow. Stand wow. to your feet. Levez-vous. Scream. Shout. Priez. As we welcome Bishop. Et accueillons. Hallelujah. Wow. Thank you. Let us pray. Prions. Father, we thank you for today. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Thank you for giving us an opportunity. Merci de nous avoir donné une opportunité. Thank you for giving us an opportunity. Merci de nous avoir donné une opportunité. To be in your presence. D'être dans ta présence. Guide us, we pray. Dirige-nous, nous prions. And lead us by your mighty power. Et conduis-nous par ta puissance. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Well, I should have been here last night. J'aurais dû être ici hier soir. But. Mais. We tried and tried. On we a were essayé, held up essayé. By Delta Airlines. Au travers des lignes Delta. And had to sleep 2 days at the airport. Et on a dû dormir 2 jours à l'aéroport. Yeah. So. But finally. Mais finalement. At least we are here for today. Amen. Et on est ici pour aujourd'hui. So. We are so sorry for coming late. Et on est tellement désolé d'être venu en retard. I hope you forgive us for coming late. Pardonnez-nous d'avoir été en retard. Next time we will not do that. La prochaine fois on fera pas ça. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Now, how many of you are from Germany? Combien d'entre vous sont d'Allemagne? Wow. Beautiful. Magnifique. All of you are from Germany. Tous ceux ici sont d'Allemagne. Fantastic. Fantastique. Thank you. You may be seated. Merci. Vous pouvez vous asseoir. How many are you? Are you from France? Combien d'entre vous viennent de France? Wow. Wow. Fantastic. Oh, France as well. Wonderful. And how many are you from Belgium? Et combien d'entre vous viennent de Belgique? Wow. Wow. Wonderful. Magnifique. And where again? Et où encore? Hungary. How many Donkey. Of you are from Hungary? Donkey. Oh, wow. Hungarians. Beautiful. And where again? Et où encore? Austria. D'Autriche. How many of you from Austria? Combien oh, wow. vous viennent d'Autriche? Beautiful. Beautiful. And where again? Et où encore? Spain. Espagne. From Spain. Wow. 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 Spain. Beautiful. Magnifique. Sit down. Pouvez vous asseoir. And from where again? Et où encore? Holland. D'Hollande. How many of you from Holland? D'Hollande. Wow. Wow. Holland is still alive. L'Hollande vit toujours. What a blessing. Quelle bénédiction. What about Italy? Et Italie? Wow. Hey, some Italians. Il y a des Italiens. I was at an Italian camp. J'étais encore en Italie. Next year we are going to have 1000 Italians. Et l'an prochain nous aurons 1000 Italiens. Special pizza camp. Un camp spécial pizza. We'll eat pizza for 3 days. On mangera de la pizza pendant 3 jours. Wow. Wow. We are looking forward to that. Amen. Et on attend vraiment cela avec impatience.
All right. And then where again? Et où encore? Switzerland. Switzerland. La Suisse. Wow. Wonderful. Puissant. Okay. Now. Wow. It's a blessing to see you all. C'est une bénédiction de tous vous voir. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Is there any problem? Est-ce qu'il y a un problème? England, UK. L'Angleterre. Wow. UK? Le Royaume-Uni? Are you from the First Love Church? Est-ce que vous venez de l'église du premier amour? You're going to the, you know we have a camp in the UK? Vous savez qu'on a un camp au Royaume-Uni? You know about it? Est-ce que vous êtes au courant? You decided to come here also? Et vous avez décidé de venir ici you aussi? You want to eat two hamburgers? Vous voulez manger deux hamburgers? Wow. Some people, you know, when they go to McDonald's, they cannot just buy one. Certaines personnes, lorsqu'ils vont au McDonald's, they always have to have two. D'acheter un hamburger, ils sont obligés d'en acheter deux. Amazing. Incroyable. That is a blessing. C'est une bénédiction. And what is your name? Reginald. Wow. What a blessing. Pastor Rudy used to do this work. But he's now the head of the mission in Kinshasa. Mais il est maintenant à la tête d'une mission en Kinshasa. And I'm very proud of him. Et je suis très fier de lui. For the great work that he's doing there in Kinshasa. Fait là-bas, au Congo, à Kinshasa. Yes. Oui. It's a blessing. Une bénédiction. I'm very proud of him and Teclès and all the others that are there. Et they Teclès are doing a great work in Congo. Et tous les autres qui sont Kinshasa. Là-bas en train de travailler au Congo, Kinshasa. That's a blessing. C'est une bénédiction. Amen. Amen. All right, all right. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now. Maintenant. Dinner starts at exactly 7. Le dîner commence à 19h. And I can see on the clock that it's exactly 7 o'clock. Et je peux voir à l'horloge qu'il est déjà 19h. So, donc what we are going to do is that donc ce qu'on va faire going to, the theme for our camp le is thème pour notre no camp. Weeping, no gnashing. C'est pas de pleurs, pas de grincements. Wow. Wow. So we have the shortest time possible. Donc nous avons le temps le but plus. But I want to share with you le temps le plus this, court possible. Even though I thought, do I, should I? But I think I will. Mais j'aimerais quand même and, partager dessus. So I want us to go for dinner. Donc j'aimerais quand même qu'on aille dîner. And how many hours do you need for dinner? Combien d'heures avez-vous besoin pour le dîner? 1.5 hours? 2 hours? 2 heures? But I hear it takes 15 minutes to walk there. J'entends que ça prend 15 minutes pour marcher là-bas, 15 minutes pour revenir. And it takes 1 hour to eat. Et ça demande 1 heure pour manger. 1 hour, 30 minutes. 1 heure et 30 minutes? All right. So, okay. Based on our democratic donc en vue elections, de notre élection démocratique, we are going to start at 8:31. Nous allons commencer à 8h31. It's 7:01. Il est 19h01. And we start at 8:31. Et donc nous allons commencer à 20h31 heure suisse. What do you think? Qu'en pensez-vous? Good idea. Est-ce que c'est une bonne idée? What are you going to eat tonight? Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Huh? You don't know what they have for you? Vous savez pas ce qu'ils ont pour vous? No rich tea. You pas don't have such things here. Wow. Wow. We are in Switzerland. We have to eat nice Swiss food. On est en Suisse, on doit manger de la bonne when nourriture suisse. When you come to Ghana, we'll give you pepper. Lorsque vous venez au Ghana, on vous donne du piment. Wow, what a blessing. Wow, quelle bénédiction. All right. Okay. Ricardo, did you take an offering? Ricardo, est-ce qu'on a pris une offrande? Let's take an offering. Why not? Take an offering out. Let's take an pourquoi pas prendre une offrande? To pay for dinner. Pour payer pour le dîner. Wow. Wow. What a blessing. Quelle bénédiction. This is a beautiful place. C'est vraiment un endroit magnifique. I don't think we've been here before. Je pense pas qu'on a déjà été ici. Huh? Fantastique. Fantastique. Now, next year,
Et l'an prochain, or whenever we have a camp again, I don't know if we will be able to finish. So I think we need to have another camp too. Et je pense qu'on aura besoin d'un autre camp pour finir, parce qu'on ne sera pas capable de finir aujourd'hui. Those in Germany, mais ceux en Allemagne, those in Germany, ceux en Allemagne, are saying that they want to have their own camp meeting. Déclarent qu'ils veulent avoir leur propre camp. Without Swiss people. Sans les Suisses. So, donc, it looks like il semble que everybody is going his own way now. Tout le monde prend son propre chemin maintenant. Italians have gone their own way. Les Italiens ont suivi leur propre chemin. And then the Germans also want to, because they feel they are far bigger than Switzerland. Et maintenant les Allemands aussi veulent prendre leur propre chemin parce qu'ils ont, ils ressentent qu'ils sont plus grands que la Suisse. Oh, we have some people from Philippines. On a des personnes des Philippines. Wow, Philippines. Les Philippines. Wow. Beautiful. Magnifique. So, donc, we are going to do that quickly. Take your offering rapidement. And let's pray. Rapidement l'offrande et on va prier. Father, thank you for the opportunity and Père, merci pour l'opportunité. That we have received already at this camp meeting. Que nous avons déjà reçu à cette Thanks camp. A million. Merci mille fois. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ashes, please receive the offering. Placeurs, s'il vous plaît, recevez l'offrande. All right. Okay. I shall hand over to the master of ceremonies. Donc je donne le micro au maître des cérémonies. 7:31 has become 7:35. 19h31 est devenu maintenant 19h35. 7:36. Et lorsqu'on finira l'offrande, il sera 19h36. 8:36. Donc à 20h36. Swiss time. Heure suisse. Why not? Pourquoi pas?